Bonjour tout le monde et bienvenue chez AM Importation. Aujourd'hui, on se trouve avec Alexandre chez Porsche à Stuttgart, donc à la centrale. Derrière nous le musée. Donc on est venu aujourd'hui pour vous montrer quelques images, pour vous montrer un peu la centrale de Porsche. Nous avons une prestation où vous allez directement chercher votre voiture en Allemagne. Alors pourquoi pas vous arrêter à Stuttgart? Si sur la route vous avez le temps de vous arrêter, vous allez pouvoir admirer plein d'anciens modèles, comme on peut voir dans cette pièce. Stuttgart en général, c'est sur la route du retour quand on repart en France. Donc un petit arrêt permettra de profiter de ce magnifique musée. Toutes les Porsche donc de course de l'époque, je ne sais pas si vous voyez un peu le nombre de voitures qu'il y a ici, c'est impressionnant. Elles sont toutes dans un état incroyable. On voit bien comment le moteur est posé, qu'il est bien derrière l'axe. Et voici une des plus connues. La Porsche Carrera GT avec son fameux V10, 5,7 litres, 612 chevaux. Alors son moteur, le bruit de son moteur est très connu pour être l'un des plus beaux bruits de l'automobile. Et cette voiture a connu également un regain avec la mort de Paul Walker. Je pense qu'on va être tous unanimes sur celle-là, qui est magnifique, élargie à l'arrière. Il s'agit d'une Porsche RSR Turbo. Donc c'est un 2,2 litres, 6 cylindres à plat évidemment, turbo, qui fait 500 chevaux. Et oui, il y a bien une Mercedes chez Porsche. Alors c'est en 1995, Porsche a retravaillé le V8 de la 500 SL et a retravaillé aussi les suspensions de la voiture. Comme on voit, elle est assez basse, elle a été rabaissée. Et donc c'est un V8 5 litres qui sort 320 chevaux. Alors 320 chevaux en 1995, c'était quelque chose. Là, on est au Porsche Design. Donc cette Targa, par exemple, elle est limitée sur 750 exemplaires. Quand vous achetez une, vous avez une montre limitée aussi avec. Donc il y a deux exemplaires, un exemplaire qu'on peut acheter
et l'autre exemplaire qu'on peut avoir que quand on a acheté la voiture. Et là, on a des découpes du moteur de la Porsche 917 qui est un V12 biturbo qui délivre 1100 chevaux.